Merveilleux Seigneur, la divinité de Yeshua, la divinité de Yeshua. Et mes amis, la parole de Dieu est tellement profonde. Elle a été inspirée, comme vous le savez, par le Saint-Esprit. Cela veut dire que si vous voulez la comprendre, comme vous le savez, il vous faut impérativement l'esprit qui l'a inspiré. Donc vous ne pouvez pas la comprendre parce que vous êtes, n'est-ce pas, un intellectuel. Vous n'allez pas la comprendre parce que vous avez fait de longues études. Vous allez la comprendre parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé. Parce qu'il vous la révèle, parce qu'il nous la révèle. Vous savez, dans les Écritures, dans Luc chapitre, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, il est dit qu'il y avait un homme, un ministre de la reine d'Éthiopie, n'est-ce pas, l'eunuque éthiopien. Il était eunuque et ministre d'une puissante reine. Cet homme avait fait des longues études. Et la parole nous dit qu'il était en train de lire le prophète Ésaïe, justement. C'est ce prophète-là que nous allons lire ce soir. Et on apprend que malgré le fait que cet homme était ministre d'une grande reine et qu'il était certainement un intellectuel, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Philippe lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et cet homme dira, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Voyez mes amis, ça veut dire que vous pouvez être pasteur, être docteur, être évangéliste, et ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, en ce qui concerne le Jésus-Christ de Nazareth, il y a beaucoup, beaucoup de polémiques à son sujet. Déjà dans le monde, hein, il y a beaucoup de gens qui disent « il n'a pas existé », n'est-ce pas ? D'autres disent « il a existé, mais il n'était pas mort ni ressuscité ». Vous voyez ? Et il y a d'autres religions qui disent « il était mort, mais pas sur une croix ». D'autres encore qui vont dire, mais en fait, ce n'était pas lui qui était mort, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Voyez ? Et on retrouve également dans la chrétienté, c'est-à-dire dans le monde, dans le milieu chrétien, c'est-à-dire les personnes qui se réclament de la Bible, du Dieu de la Bible, on retrouve dans ce milieu, dans le monde de la chrétienté, beaucoup de divergences quant à la personne de Yeshua, le Messie, de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a qui vont dire, il n'est que fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. D'autres qui vont dire, il est Dieu et en même temps fils de Dieu. Et d'autres qui vont dire, quand il était sur terre, il n'était pas un homme normal. Il était 100% Dieu et pas du tout homme. Il y en a qui vont dire, il était homme, à la fois homme et Dieu. Alors, mes amis, c'est bien toutes ces, n'est-ce pas, approches et toutes ces divergences, mais quelle est la position de Saintes Écritures et quelle est la position de Jésus-Christ lui-même? Alors, il y en a qui vont dire, mais Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il y en a qui enseignent cela. Et moi, je tiens à vous dire, frères et sœurs, c'est faux. Jésus-Christ a affirmé clairement sa divinité. Et il faut se mettre déjà dans le contexte historique de l'époque, n'est-ce pas, dans laquelle Yeshua a exercé son ministère. Vous savez, Dieu va recevoir une demande de Moïse. Moïse lui dit, montre-moi ta gloire, montre-moi ta face. Et Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, imaginez, les Hébreux qui évoluaient dans un milieu où cette parole de Moïse avait retenti, c'est-à-dire que Dieu, on ne pouvait pas le voir. Alors, ce Dieu maintenant, Yeshua, qui est venu, qui s'est incarné,
qui a exercé son ministère pendant 33, pendant 3 ans et demi, pardon, vous pensez que Jésus-Christ allait ouvertement dire aux Hébreux que je suis le Dieu Tout-Puissant? Mais il n'allait pas le comprendre. Surtout que la plupart étaient religieux et qu'ils étaient, n'est-ce pas, ils avaient la pensée, la parole de Moïse qui disait que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, comment lui maintenant, Yeshua, pouvait-il dire clairement aux gens que je suis Dieu? Ils n'allaient pas le croire. Déjà, il a dit aux apôtres, il est même à Nicodème, si je vous parle, quand je vous parle des choses naturelles, des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous? Comprenez-vous les choses spirituelles, les choses du royaume? Voyez? Et le Seigneur disait aux apôtres également, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous annoncera toutes ces choses. Donc les disciples n'étaient pas en mesure de recevoir la pleine révélation, n'est-ce pas, avant l'effusion du Saint-Esprit. Frères, allons dans les Écritures. Yeshua, le maître des maîtres, Yeshua est-il Dieu ou pas? Je vous ai dit que nous allons voir le prophète Isaïe et nous allons d'abord dans Ésaïe, chapitre 42. Ésaïe 42. Alors, pour votre information, Ésaïe est on l'appelle le prophète de la rédemption. C'est le seul prophète de toute la Bible qui a présenté Yeshua, n'est-ce pas, en tant que Dieu, qui a présenté Yeshua en tant que Adonai, en tant que Dieu. Et nous allons voir cela. Nous sommes dans Ésaïe 42. Nous lisons le verset 8. Je suis Yahvé. Le terme éternel a été, n'est-ce pas, utilisé pour la première fois par Olivier Tan, le cousin, n'est-ce pas, de Calvin, dans sa Bible, n'est-ce pas, en fait, Olivier Tan est le premier à avoir traduit la Bible en français, donc dans son entièreté, bien sûr. Et il va remplacer le nom de Yahvé par éternel. Mais moi, je préfère Yahvé. D'accord? Et ici, Dieu, au 8e siècle avant Yeshua, se présente à Isaïe comme Yahvé et il dit, c'est là mon nom. Parce que pour savoir si Yeshua est Dieu ou pas, il faut d'abord, n'est-ce pas, définir le nom de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux, mais quel est le nom du Dieu de la Bible? D'accord? Ce qu'il faut savoir, quel est son nom? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un comme ça sans Dieu n'est pas un nom, Dieu est un titre. N'est-ce pas? Et la parole nous enseigne qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs, Paul le dit. D'accord? Et Paul se retrouve à Athènes, dans Actes 17. Il dit aux Athéniens, je vous trouve tous extrêmement religieux. Il y a plusieurs autels, hein, qui appartiennent à des divinités différentes. Et Paul leur dit, j'ai trouvé aussi un autel qui appartient à un Dieu inconnu. Donc les Athéniens avaient plusieurs divinités, les Grecs, Zeus, Artémis, tout ça, Diane, tout ça. Il y en avait plusieurs. Mais ils avaient également trouvé un Dieu qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Et il dit aux Athéniens, ben, le Dieu que vous révérez sans le connaître, eh ben, moi, je vous le présente maintenant. Voyez? Donc, les Athéniens priaient plusieurs dieux, et parmi ces dieux, il y avait aussi le Dieu de la Bible. Et on l'appelait le Dieu inconnu. Le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, les Samaritains, comme les Grecs, adoraient le Dieu de la Bible sans le connaître. Et il était compté parmi les divinités païennes. Et là, Dieu maintenant par Ésaïe dit, mon nom à moi, c'est Yahvé. Yahvé ou encore Jéhovah, n'est-ce pas? Donc, mon nom à moi, c'est Yahvé ou encore Yahweh.
D'accord? Et il dit, c'est là mon nom. Moi, je suis Yahvé, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez? Dieu parle ici des idoles. Pourquoi? Parce que il était compté parmi les idoles, comme les Athéniens. Voyez? Et Dieu, maintenant, le Créateur, va faire une distinction en disant, mon nom à moi, j'ai un nom, et mon nom, c'est Yahvé. D'accord? Yahvé ici, mes amis, est le nom par excellence du Dieu de la Bible. Yahvé veut dire, mes amis, simplement, n'est-ce pas? C'est lui qui n'a pas de commencement de vie ni fin de vie. C'est lui qui existe par de lui-même, par lui-même. D'accord? Qui a été traduit par l'Éternel, pour simplifier les choses. Alors, mes amis, Yahvé. Yahvé est le nom le plus glorieux, hein, le plus puissant du Dieu de la Bible. J'insiste là-dessus. Or, Dieu dit qu'il ne donnera pas son honneur, sa gloire à un autre. Et vous allez voir que Yeshua a été adoré, Yeshua a été prié. Donc, Dieu ne peut pas donner son honneur à un autre. Il le dit lui-même ici. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes dans Ésaïe toujours, chapitre 45. Là, nous étions dans Ésaïe 42, 8. Nous sommes dans Ésaïe 45, verset 5. Je suis Yahvé et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Dieu est clair encore, il répète encore la même chose. On peut dire, mais attends, mais il ne fait que répéter cela. Mais c'est normal parce qu'il faut que ça rentre. Paul dit, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses car cela est salutaire. Nous avons même quelqu'un sur nos sites internet qui nous a écrit, qui a dit, Chora, tu enseignes toujours les mêmes choses. Mais mon ami, si tu n'es pas d'accord, mais tu peux aller voir ailleurs. Personne ne t'oblige à me suivre. C'est aussi simple que ça. Il y a tellement de sites internet chrétiens. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous embêtez toujours. Un autre qui a écrit, Chora, le gourou de la secte. Je dis, mais amen. Paul a été traité de gourou de la secte, alors où est le problème? Ce n'est pas nouveau. Vous vous fatiguez pour rien. Je veux vous fatiguer les oreilles en vous parlant de la même chose. C'est-à-dire la personne de Yeshua. Ah ben c'est clair. On n'a pas d'autre message. Je suis Yahvé, il n'y en a point d'autre. Dieu est catégorique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous sommes d'accord. Alléluia. Et nous allons dans Ésaïe 43. Nous lisons le verset 11. Là, ça déchire. C'est moi. Il dit encore, moi. Vous allez dire, mais attends, mais quand même, ce Dieu a un problème. Mais non, il n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes. Avec notre cabeça, notre tête. C'est moi. C'est moi qui suis Yahvé. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux qui se réclamaient de lui, qui voulait prendre son nom. Il dit, c'est moi qui suis Yahvé, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Vous croyez que Dieu dit la vérité, n'est-ce pas? Yahvé, c'est lui le sauveur. Donc nous sommes d'accord. La Bible dit que Yahvé est le seul sauveur. Donc il n'y en a pas deux. On ne peut pas être sauvé par deux sauveurs. La Bible nous présente un seul sauveur dont le nom est Yahvé. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec Dieu ici? OK. Bon. Comme nous sommes d'accord avec Dieu qu'il y a un seul sauveur, maintenant, nous allons voir si la parole est vraie ou pas. Luc chapitre 1er. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Hein? Nous ne voulons pas tergiverser. Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Frère, ici, Zacharie ne parle pas parce qu'il a été dans une école théologique.
Zacharie ne parle pas parce qu'il a été enseigné par un prophète. Zacharie prophétise ici parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Or, nous savons que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Le même Saint-Esprit qui avait rempli Esaïe est le même qui a rempli Zacharie ici. Et qu'est-ce que Zacharie dit ? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Dieu d'Israël a visité son peuple. Nous savons tous que quand on visite quelqu'un, on va sur place. Quand on visite quelqu'un, une personne, on ne la visite pas de loin. On va physiquement voir la personne. Donc, Zacharie ici prophétise que Dieu s'est déplacé. Est-ce que vous suivez l'enseignement? Dieu s'est déplacé pour visiter son peuple. D'accord? Pour le racheter. Et nous a suscité un puissant. Il y a un problème ici. Bon, on nous dit qu'il y a un seul sauveur. Dieu dit qu'il est le seul sauveur. Je suis Yahvé, le seul sauveur. Et à part moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Alors si Jésus n'est pas ce Dieu-là, c'est qu'il y a deux sauveurs. Et là, dans ce cas-là, Esaïe nous a menti. Et aussi Zacharie nous a menti. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit dans ce cas nous a menti. Or, comme il est l'Esprit de vérité, il ne peut pas mentir. Donc, le Yahvé, sauveur d'Ésaïe 43, 11, a visité le peuple d'Israël pour le sauver. Vous me direz, mais frère Chora, mais là c'est bizarre. Mais frère, écoutez, ce n'est pas moi qui écrit la Bible. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. On dit qu'il y a un seul sauveur, son nom c'est Yahvé, et on dit que ce sauveur a été envoyé sur terre. Dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints, prophètes de temps ancien, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Frères, mes amis, Yahvé, le sauveur, a envoyé un sauveur pour nous sauver. Ça paraît bizarre. Comment Dieu peut envoyer Dieu pour nous sauver? Frère, si déjà nous avons du mal à compter le nombre d'étoiles qu'il y a dans notre galaxie, si déjà nous avons du mal à compter le nombre de sable qu'il y a dans nos maisons, hein, tous les grains de sable, comptez-les dans vos maisons là, parce que si je vous parle de compter le nombre de sable qu'il y a dans votre avenue, vous risquez de mourir avant le temps. Maintenant, je vous lance un défi seulement. Comptez-moi tout le nombre, c'est le nombre de sable qu'il y a dans votre maison. Ou même le sable qui s'est accroché à votre chaussure. Si déjà nous avons du mal à le faire, et vous croyez vraiment que nous allons comprendre facilement le langage de Dieu, Dieu envoie Dieu. Ça, c'est compliqué tout ça là, mes amis. Alors, un sauveur est venu. Donc, ça veut dire que cet enfant qui est né ici, on l'appelle sauveur. Matthieu, chapitre 2. Oh, Dieu est grand. Nous lisons Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua, le Messie. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva, comment ? Enceinte par le concours d'un homme, par la vertu, avant qu'ils aient habité, littéralement, avant que Marie ne soit déviergée, dépucelée. Elle était déjà enceinte, pour votre information. Et vous allez dire que cet enfant-là n'est pas Dieu ? Mes amis, mais il faut être possédé pour dire que cet enfant qui est né sans le spermatozoïde, sans le sperme humain, et cet enfant est né. Vous savez, je vous dis une chose, le prophète Esaïe a dit quelque chose de terrible.
dans Ésaïe, mon frère Loufiane, chapitre 7. Oh, je sais que vous aimez la parole, je sais que vous êtes des amoureux de la parole. Dans Ésaïe chapitre 7, le prophète a annoncé quelque chose de fort qui a mis la confusion chez les grands érudits. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mes amis, écoutez bien ici. Cette parole a choqué beaucoup des rabbins de l'époque. Ésaïe est un prophète. Et pour comprendre un prophète, il faut être prophète. Vous ne pouvez pas comprendre un prophète si vous n'êtes pas prophète. Parce que le langage prophétique est un langage codé. Ben oui. Pour comprendre Ésaïe, il fallait être de la lignée d'Ésaïe. Parce que une chèvre ne peut pas être comprise par une vache. C'est pour cela que ça ne traîne pas ensemble. Si vous mettez un coq avec un canard, ça va se diviser parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Voyez? Ben, ça ne dure pas longtemps leur amitié parce qu'il y en a un qui va commencer à chanter, un autre qui va commencer n'est-ce pas, à queener, je ne sais pas quoi là. Ça ne va pas marcher. Voyez? Donc, maintenant, on a voulu mélanger les prophètes avec les docteurs, avec je ne sais pas quoi, avec les théologiens. C'est pour cela qu'il y a toutes ces confusions dans la chrétienté. Et que Dieu nous aide. Vous avez vu ici, les rabbins ont dit, comment, Esaïe, peux-tu dire que une vierge va être enceinte tout en gardant sa virginité? Comment une femme peut-elle être enceinte tout en étant vierge? Parce que sur le plan humain, c'est impossible. Frère, ça c'était un mystère. Tout le monde naissait par le concours de l'homme et la femme. Avec la semence de l'homme qui était contaminée par le péché d'Adam et Ève. Maintenant, cet enfant, l'enfant dont il est question ici, Emmanuel, Emmanuel, Dieu lui-même parmi les hommes, Dieu incarné, ce Dieu nous dit la parole. En fait, Marie est tombée enceinte grâce au Saint-Esprit. Pour votre information, c'est le Saint-Esprit qui a engrossé Marie. Alors, allez comprendre ça. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, quand l'ange dit à Marie, parce que Marie pose la question à l'ange, tu dis que je vais être enceinte, mais moi je suis simplement fiancée, je ne connais pas encore mon homme. L'ange lui dit, t'inquiète pas, il y a un autre système que vous ne connaissez pas encore, vous les humains. C'est Dieu lui-même qui va t'engrosser. C'est pour cela que Joseph a voulu rompre avec, parce qu'il n'était pas le premier. Il a compris qu'il n'était pas le premier, qu'il n'allait jamais être le premier. Quelqu'un était passé par là. Dieu lui-même. On dit que la puissance du Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Frère, laissez-moi vous dire, un homme normal est déjà né comme ça. Donnez-moi un seul verset, vous avez vu un prophète naître comme ça. Donnez-moi un seul verset, même dans l'islam, même dans l'hindouisme, aucun dieu n'est passé par ce chemin-là. Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une femme soit enceinte, il faut une semence. Il faut le sperme. Donc pour que Marie tombe enceinte, il fallait le sperme de Dieu. Le sperme de l'homme donne l'homme. Le sperme des hommes donne les hommes. Le sperme d'un coq donne les coqs. Le sperme d'un canard donne les canards. Le sperme d'une vache donne des vaches. Le sperme d'un bœuf donne les bœufs. Le sperme, frère, écoutez-moi, d'un serpent donne le serpent. Le sperme de Dieu donne Dieu. Alors pourquoi vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu? Le sperme mes amis, écoutez bien, je vais vous parler terre à terre. Le sperme qui a mis grosse Marie n'était pas d'origine humaine. Donc rien que en regardant à la manière dont cet enfant a été conçu, on réalise déjà qu'il est Dieu. Il est Dieu. Frère, honnêtement,
La semence de Yahvé a donné Yahvé. C'est ça le mystère de la piété. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5. Je suis en train de survoler d'abord, là, faire un peu le nettoyage. Après, on va rentrer encore. 1 Timothée chapitre 5. Oh, vous aimez la parole, n'est-ce pas que vous aimez la parole? Oh. 1 Timothée chapitre 3, pardon, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous allez me dire, frère Chora, mais oui, mais ça, ce n'est pas une bonne version. Je vais prendre une autre version. Il n'y a pas de problème. Ah, les versions, là, on peut en trouver, frère. Alléluia. Je sais que vous aimez la vérité. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu est grand. On a la version Darby. La version littérale. 1 Timothée, chapitre 3. Voilà. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Frères, mes amis, dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est une abomination. Un pasteur qui parle, qui prêche comme ça, vous devez le fuir parce qu'il vous amène à l'enfer. Le mystère de la piété, c'est un mystère. L'incarnation est un mystère qui a échappé aux grands prophètes, qui a échappé aux grands érudits. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté, littéralement, Dieu a été, n'est-ce pas, Dieu a été conçu dans l'utérus d'une femme humaine. Waouh! Et on nous dit que ce Dieu a été manifesté, prêché, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est Dieu qui a été élevé dans la gloire. Mes frères, quand même, vous voulez qu'on dise quoi encore? Yeshua n'est pas n'importe qui, mes amis. Ah non! Non, laissez-moi vous parler de Yeshua. Vraiment, frères, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Hein? Parce que Satan n'aime pas qu'on touche, qu'on parle de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'aime pas ce message-là. D'accord? Alors, dans Matthieu, là-bas, Marie pose la question, mais je ne connais pas d'homme. Comment vais-je faire pour tomber enceinte? La Bible dit, t'inquiète pas. L'ange lui dit, Marie se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qu'elle a conçu vient de qui ?» Donc, ça veut dire littéralement, le sperme de l'enfant que porte ta femme est du Saint-Esprit. Frère, écoutez-moi, laissez-moi vous dire. Un noir, le sperme d'un noir ne peut pas donner un blanc. Le sperme d'un blanc ne peut pas donner un noir. Le sperme d'un chinois donne les chinois. Même la nature nous enseigne. Donc le sperme du Saint-Esprit donne le Saint-Esprit. C'est clair. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce moyen pour nous sauver? Parce qu'il fallait du sang pur. Seul le sang de Dieu pouvait racheter l'humanité. C'est ça le mystère de la piété. Voyez? Parce que tous les hommes étaient condamnés par la chute d'Adam et Ève. La Bible nous dit dans Actes 17 que tous les hommes sont sortis de l'âme ou du sang d'Adam. Voyez? On ne donne que ce que l'on a. Le sang d'Adam a contaminé tous les hommes. Et maintenant, pour racheter les hommes, Dieu avait ses exigences. Les exigences
de la justice divine, n'est-ce pas, était tellement forte qu'il fallait un sang pur pour libérer les hommes. Et seul le sang de Dieu pouvait nous racheter. D'accord? Allons voir dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset, mes amis, 28. J'aimerais que quelqu'un d'autre lise cela pour ne pas qu'on dise c'est seulement sa Bible. Sa Bible est trafiquée. Oufiane. Vas-y. C'est bon. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'Église de Dieu que Dieu a acquise par son propre sang. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ça veut dire que l'Église a été rachetée par le sang de Dieu. Hein, Lufiane? Attends. Non, la parole est... Tout a été écrit, tout est dit. Hein? Voilà la vérité que les apôtres ne pouvaient pas accepter avant l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu allait verser son sang et son sang allait racheter les hommes pour devenir son corps, son Église. Voilà le message, frère, que les apôtres ont prêché. Voyez, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau de Dieu sur lequel Dieu vous a établi évêque pour paître son Église qu'il a acquise par son sang. Voilà, frère. Ce n'est pas le sang d'un homme qui, n'est-ce pas, nous a racheté, le sang du Dieu véritable. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est glorieux. Et vous allez dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Hein? Excusez-moi, ceux qui le disent, frères, soit ils sont ignorants, on prie pour eux, mais soit ils sont mandatés par Lucifer en personne. Et je crois que ces hommes-là, il faut prier pour leur délivrance. Au nom de Yeshua. Frère, allons voir Luc. Oh, Dieu est magnifique. Luc chapitre 1, verset 34. D'abord, on peut lire à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Marie, hein, nommé Joseph, pardon. Le nom de la vierge était Marie. Ça, c'est Ésaïe 7, 14. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de... » Voilà, on rentre dans le message bien comme il faut là. « Tu lui donneras le nom de Yeshua. » D'accord? Jésus ici, c'est Yeshua, littéralement Josué. Et nous allons voir. Josué, mes amis, signifie Yahvé sauve. En fait, Josué a, n'est-ce pas? Donc, en fait, il y a deux noms qui sont associés pour donner le nom de Josué ou encore Yeshua. Le premier nom, c'est Yahvé. Le deuxième nom, c'est Yasha. Donc, Josué qui a donné Yeshua. Hein, donc, Josué en hébreu, Yeshua, et en grec, Jesus, en français, Jésus. Josué, mes amis, signifie Yahvé sauve, littéralement, Yahvé Yasha. Or, Yasha veut dire délivrer, délivrance, salut, protection, secours. Voyez? Et ça, c'est terrible, frère. Donc, on a rajouté, c'est le nom de Yeshua, dedans il y a Yahvé. Donc l'ange Gabriel dit à Marie, l'enfant que tu portes
n'est rien d'autre que Yahvé. Comme son sang est pur, donc il est accompagné de Yasha, c'est-à-dire la délivrance. Voyez? Oh! Voilà pourquoi dans Ésaïe 43, 11, Yahvé disait, je suis Yahvé, n'est-ce pas? À part moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Et on va voir dans Ésaïe toujours, on va retourner là-bas, où il a dit encore, je suis le seul rocher. Hein? Il n'y en a pas deux. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. Frère, Marie reçoit le nom de l'enfant qu'elle allait porter. C'est-à-dire Yahvé, Yeshua. Je vais vous dire une chose. Moïse, sachant qu'il allait mourir bientôt, va désigner son disciple Osée. Il va changer son nom en Josué, pour qu'il fasse rentrer les Israélites en Canaan. Frère, pourquoi Moïse avait-il changé le nom d'Osée en Josué? C'était prophétique. Osée signifie Yahvé, n'est-ce pas? Osée, c'est Yahvé. Yeshua, Josué. Yahvé sauve. Moïse avait compris que un Dieu qui ne sauve pas n'est pas Dieu. Moïse avait compris que seul Yeshua pouvait amener le peuple, faire entrer le peuple dans son héritage. Voilà pourquoi prophétiquement, il a dit à Osée, tu seras accompagné par Yeshua. D'accord? Donc, Marie reçoit le nom de l'enfant. On l'appellera Josué. Yeshua, Yahvé sauve. Il est dit. Rappelez-vous bien que le nom compte hein, chez les Hébreux. Hein? Ah oui, Dieu dit, c'est là mon nom. C'est là mon nom. Et il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Frère, fils du Très-Haut, ça veut dire quoi? Je vous ai dit que quand on voit les enfants, vous voyez par exemple on va dire les aiglons. Vous ne pouvez pas dire que les aiglons ne sont pas des aigles. Hein. Un aiglon est un aigle. D'accord? Donc, un fils de Dieu est forcément Dieu. Bah oui. Bah oui, frère. Bah oui. Le fils d'un roi est forcément roi. Alors, on dit que le Seigneur et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui fait comprendre que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre système. Dieu ne passe pas par le système des hommes. Pour vous sauver, il faut qu'il passe par un autre système. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est fort, hein? Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'engrosser, littéralement. Écoutez, Marie reçoit l'information qu'il y a là à avoir une relation particulière avec le Saint-Esprit pour être enceinte. Et ça, c'est magnifique, frère. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Frère, trouvez-moi un autre exemple dans le monde où un individu est né comme ça. Hein? Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Or, Dieu seul était appelé saint. Amen. Hein? Oh my God. Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que cet enfant qui va naître, n'a jamais péché. Cet enfant qui va naître était d'abord quelque part avant de venir. Amen. Frère, laissez-moi vous dire. Le sperme humain qui, mes amis, va à l'encontre de l'ovule
ce sperme, avant d'être dans le corps d'une femme, a d'abord été dans le corps de l'homme. Donc le sperme humain connaît une préexistence avant d'être éjecté dans le corps d'une femme. Donc le sperme du Saint-Esprit a connu une préexistence avant d'être déposé dans l'ovule de Marie. Donc c'est pour cela que Yeshua n'a pas commencé d'exister à sa naissance physique. Il a commencé à exister, il a toujours été là. Nous sommes dans Hébreux chapitre 7. Je suis sûr que Dieu est en train de nous parler ce soir. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Vous êtes là? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Ok. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Le saint enfant qui naîtra, on l'appellera le fils du Dieu très haut, c'est-à-dire El Elohim. Hein, El Elyon, pardon. El Elyon. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. On nous parle d'un Melchisédek qui se révélait à Abraham, qui était sacrificateur du Dieu très haut. C'est-à-dire avant qu'une, mes amis, une sacrificature, avant la sacrificature d'Aaron, il y avait déjà un sacrificateur qui était en même temps sacrificateur et roi. Et on nous dit, il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire de paix. Ce Melchisédek est sans père. Attends, on nous dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Et en même temps, on nous dit qu'il n'a pas de père. Allez comprendre ce langage biblique. Comment quelqu'un qui est sacrificateur d'une autre personne peut en même temps être sans père, sans mère, sans généalogie? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Frère. 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 Regardez. Verset 24. Mais lui, Yeshua, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Littéralement, un sacerdoce éternel. Donc c'est le Melchisédek. Et on nous dit que ce Melchisédek est Dieu lui-même. Parce qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Voilà le sperme qui a affecté, qui a été dans le ventre de Marie. La préexistence de Yeshua, Melchisédek, frère. Oh, vous croyez que Dieu est grand, n'est-ce pas que Dieu est grand, frère? Oh, je sais que vous aimez la parole, je sais que vous aimez la vérité. Et je sais que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que être éclairé par la vérité de Dieu. Oh Seigneur, merci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, Louviane, verset 13. Au nom du Seigneur, en effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il a juré par lui-même. Et en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Il est dit que lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Est-ce que nous pouvons vérifier cela dans les Écritures? Oui. Genèse 22.
Genèse 22. Oh, Dieu est magnifique. On nous dit que Dieu a juré par lui-même en bénissant Abraham. Allons vérifier cela dans Genèse 22. Et nous lisons à partir du verset 11. Loufiane, s'il te plaît. Jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 16. Alors l'ange l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme, n'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui faisant rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yéré. Adonai Yéré, c'est pourquoi on l'a dit aujourd'hui sur les montagnes de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà, vous avez vu maintenant le verset 15, Lucien? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, on va le lire tous ensemble à haute voix, 1, 2, 3, je Je le le jure jure par par moi-même, moi-même, parole parole de de l'Éternel. l'Éternel. Non, 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 non. L'ange de l'Éternel appelle une seconde fois Abraham d'où? D'où? Du ciel, hein, des cieux même. Des cieux, d'accord? Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Et c'est de là que l'ange de l'Éternel appelle Abraham et lui dit, je le jure par moi-même. Oh my God. Donc, l'ange de l'Éternel était Dieu lui-même. Et Manoac, le père de Samson, quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, il lui demande, quel est ton nom? Et l'ange de l'Éternel lui dira, mon nom est un mystère. Oh my God. Oh my God. Le mystère de la piété est grand. Amen. Frère, voilà la préexistence de Yeshua. Donc, je prends juste ces deux personnages, Melchisédek et l'ange de l'Éternel. Hein? Oh my God. Quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à Manoac et à sa femme, les deux ont dit, oh, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu face à face. Donc, voir l'ange de l'Éternel équivaut à, n'est-ce pas, voir Dieu lui-même. Oh, frère, oh, que Dieu nous ouvre la cabeça pour que nous comprenions le message, frère, biblique. Alléluia. Je vous ai dit ceci. Le sperme d'un homme, avant mes amis, avant qu'il ne soit dans l'ovule d'une femme, il a connu une préexistence. Ben oui. Ben oui. Donc, si sur le plan humain cela est vérifiable, et sur le plan divin, avant que le Saint-Enfant ne soit dans le sein de Marie, il était quelque part avant. Ben oui. Donc, ce n'est pas n'importe qui Jésus. Hein? Oh my God. Oh my God. Vous savez, je vous dis une chose. Dans Genèse 1, il est dit quoi, frère? Regardez, regardez un peu là. Il est dit qu'au commencement, hein, au commencement, Bereshit bara Elohim. Oh, j'aime la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Le Saint-Esprit était en train, mes amis, de couver, n'est-ce pas? Il était là en train de couver la terre. Et il fallait maintenant que la parole soit libérée pour que la terre soit engrossée. Sans la semence, sans la parole, il n'y a pas de grossesse. Et sans la grossesse, il n'y a pas de naissance. Dieu dit dans Ésaïe 55, ma parole est comme la pluie. La pluie, quand elle tombe, elle d'abord arrose,
elle féconde, elle fait germer. Donc Marie est tombée enceinte grâce à la parole de Dieu. Donc ça, la semence, c'était la parole. Donc Marie, le Saint-Esprit a eu une relation particulière avec Marie. Et le sperme du Saint-Esprit, c'était la parole. Voyez? Et on la voit, cette parole, cette parole-là, dans la parabole du blé et de l'ivraie. La Bible dit que la semence a été semée. Dans la parabole du semeur, également dans Luc chapitre 8, la parole est comparée à la semence. En grec, sperma. Le sperme. Donc Jésus qui est la parole de Dieu est le sperme du Père. Hein? Donc le sperme de Dieu donne naissance à Dieu. Voilà pourquoi on dit que cet enfant est saint. Et vous allez dire qu'il n'est pas, qu'il est une créature. Quelle créature, frère? Quel est le nom de cette créature-là qui peut sauver les autres créatures? Allons voir Hébreux chapitre 2. J'espère que Dieu nous éclaire ce soir. Alléluia. 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service du Père de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oh! Dieu a décidé de devenir comme les hommes pour mieux les sauver. C'est ça le mystère de la piété. Voyez, frère? Donc, on a vu que Jésus a été présenté comme le sauveur. Et Dieu se présente comme le sauveur également, le seul sauveur. Allons voir dans Ésaïe 44. Oh, j'aime la parole de Dieu. Verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Ça, c'est fort ce que Dieu dit ici. Hein? Vous êtes mes témoins. C'est Yahvé qui le dit, mes amis. Jésus, dans Actes 1, 8, il dit aux apôtres, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez... Attends. S'il n'est pas Dieu, pourquoi va-t-il demander aux gens d'être ses témoins? On ne va pas s'arrêter là. On continue. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Oh! Dieu dit à Ésaïe qu'il est le seul rocher. Nous sommes d'accord? Il est le seul rocher. Qui est d'accord avec ce qui est écrit ici? Et Dieu dit qu'il ne connaissait pas d'autre rocher. Allons voir. 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est magnifique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était... Oh! Là, ça coupe la tête de faux prophètes. Ce soir-là, nous coupons leur tête avec le message, frère. Paul enfonce le clou. Il dit que les enfants d'Israël dans le désert, Loufiane, buvait à un rocher spirituel.
Et ce rocher, Paul dit, c'était le Messie. Frère. Donc Paul nous fait comprendre ici qu'avant sa naissance physique, Jésus-Christ existait. Et il suivait les enfants d'Israël dans le désert en la personne de l'ange de l'Éternel. Frère, pourtant Dieu dit qu'il est le seul sauveur et le seul rocher. Deutéronome 32. Oh, mes amis, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Dieu est magnifique. Deutéronome 32, nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas? Oui. Nous lisons à partir du verset 12. Yahvé seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Nous sommes d'accord. Il a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. Donc ce rocher donne du miel. D'accord? Loufiane, as-tu déjà vu un rocher qui donne du miel sans abeilles? Ce rocher donne premièrement du miel. Deuxièmement, l'huile sort du rocher le plus dur. Donc, il donne du miel, il donne de l'huile et il donne la crème des vaches et le lait de brebis avec la graisse des agneaux. Frère, oh, laissez-moi vous dire. Verset 15. Israël est devenu gras et il a rejambé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut, frère. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Hein? Là, je ne parle pas de Yeshua homme. Parce que Yeshua homme est le prophète que le Père a envoyé. Yeshua homme et a connu la fatigue. Mais ce soir, c'est d'abord Yeshua Dieu. Mercredi, Yeshua homme. Parce que ces deux natures, mes amis, nous créent un peu de complications. Mais là, ce soir, c'est le côté Dieu. Il est le rocher. On voit que ce rocher donne du miel, donne de l'huile, donne du lait, donne de la graisse. Et donne de l'eau. Frère, l'eau, la parole. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. L'huile, le Saint-Esprit, ça sort du rocher. L'huile de la guérison. Le lait, 1 Pierre 2. Pour les eaux, désirez le lait spirituel afin que vous croissiez comme le nouveau-né. Frère, la graisse, selon Esaïe 10, 27, la graisse brisera le joug. C'est la délivrance. Hein? Frère, mes amis, vous voulez qu'on dise quoi encore? Hein? Et Yeshua va encore plus loin. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, oh my God, alléluia, je bâtirai mon église. Hein? Frère, sœur, qu'on ne vous trompe pas, Jésus est Dieu. Voyez, et ça c'est magnifique mes amis, c'est glorieux. On va encore enfoncer encore le clou. Le prophète Ésaïe, Ésaïe 40, oh j'aime la parole. Verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de qui? Le chemin de l'Éternel. De Yahvé. Ici, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Jean est venu préparer le chemin de Dieu. Hein? C'est magnifique, frère. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oh, magnifique. Le Seigneur est magnifique. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et que les défilés étroits en vallons.
alors la gloire de Yahvé sera révélée. Frère, frère, la gloire. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce que le chemin n'était pas encore préparé. Mais une fois que Jean-Baptiste a préparé le chemin, Dieu a été révélé, frère. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Regardez le verset 10. Voici, Adon Yahvé vient avec puissance. J'ai plus de mots. Frère, qui vient? Yahvé. Voici Yahvé, vient. Bien oui, frère. Nous l'attendons. Le retour de Yahvé. Alléluia. Et avec puissance. Jude nous dit que Enoch, le septième homme, avait prophétisé que voici Yahvé vient avec une de ses saintes myriades. Frère. Et de son bras, il commande. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Mes amis, Loufiane. Hein? On nous dit que celui qui vient, son nom c'est Adon Yahvé. Et il est le berger. Frère. Dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, je suis le bon berger. Et David a dit dans psaume 23, Yahvé est mon berger. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi encore? Hein? Quel verset vous voulez encore? Là, nous sommes seulement sur l'aspect Dieu, la divinité de Jésus-Christ. D'accord, frère? Alléluia. Dieu est magnifique. Esaïe, mes amis, a peint Yeshua de manière glorieuse, frères et sœurs. Allons voir le prophète Zacharie maintenant. Hein? C'est un autre prophète que j'aime beaucoup. Les prophètes ont fait du mal, ont fait beaucoup de dégâts dans le royaume de Satan. Nous sommes dans Zacharie 14. Allons voir Zacharie 14, frère. Voici le jour de Yahvé arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. Lisons-le à haute voix. Alléluia. 1, 2, 3. Yahvé paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Qui va paraître? Yahvé. Donc, Yeshua et Yahvé, Loufiane. Et c'est lui qui va paraître. Alléluia. Yahvé paraîtra. Verset, mes amis, 4, 1, 2, 3. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Waouh! Alléluia! Continuons. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de la terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et Yahvé, mon Dieu, viendra et tous ses saints. Oh my God! Yahvé viendra avec tous ses saints. Alléluia! Waouh! En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de Yahvé, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est lui-même. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière paraisse, littéralement. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront vers la moitié de vers la mer orientale. Moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel, Yahvé sera le seul Yahvé. Et son nom sera le seul. Oh my God. Donc, en fait,
pendant le millénium, nous allons retrouver le nom de Yahvé. Yeshua, l'Éternel est salut. Yeshua, n'est-ce pas, Yasha. Frère, je ne veux même pas rentrer dans l'hébreu pour parler des lettres que compose, n'est-ce pas, le nom de Yahvé, de Yeshua. Hein? Parce que là, je vais encore vous enfoncer. Parce que l'une de ces lettres-là, il y en a quatre, hein? Il y en a quatre. L'une de ces lettres-là, frère, c'est un Wav. Un Wav, Wav, c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque. Wav nous parle du clou. C'est le clou. Voyez, frère? Donc, le nom de Yahvé fait allusion, mes amis, au chiffre ou au nombre 6, le nombre de l'homme. Ça veut dire que Yahvé allait devenir le chiffre ou le nombre 6 pour sauver l'homme qui a été créé le sixième jour de la création. Il allait le sauver comment? Par la crucifixion, le clou. Ah. Voilà pourquoi Dieu dans Genèse 3:15 dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci blessera la postérité de la femme au talon et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous vous rendez compte? Donc la blessure de Yeshua, c'est Wav. La lettre Wav, Yahweh. Y, mes amis, un H, W et un H. Voyez? Oh, laissez-moi vous parler de Yeshua, frère. Oh my God. Frère, Dieu, non, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Hein? Il ne faut pas s'amuser avec Dieu, frère. Oh non, il y a tellement de choses à développer. Là, nous parlons d'abord de la divinité. Maintenant, mercredi, je veux parler du nom de Yeshua et je veux parler encore, mes amis, de son humanité. Et là, vous allez voir qu'il a vaincu Satan, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Ça veut dire que tous les hommes qui croient en lui, en tant qu'homme, peuvent vaincre Satan, frère. Toutes les femmes qui croient en lui, même si ce sont des femmes, parce qu'elles ont reçu le feu, parce qu'elles ont reçu l'onction royale, elles peuvent vaincre, frère, au nom de Yeshua. Jesus. Ce n'est plus une question de couleur de sexe. Voilà pourquoi Paul dit, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un à Yeshua. Oh my God. Jesus. Oh non. Vous croyez quoi, frère? Vous croyez quoi? Dieu n'est pas n'importe qui. Un Wav. Oh non. Dieu a tout prévu, mes amis. Il crée l'homme au sixième jour. Et l'homme chute. Mais il y avait un Wav de prévu. La lettre Wav, la sixième lettre. Vous savez ce qui s'est passé, frère? Les hommes ont été rachetés à la sixième dispensation. Parce que la loi, c'est la cinquième dispensation. L'Église, c'est la sixième. Et nous attendons la septième, c'est le Shabbat, le millénium, c'est l'éternité. Vous vous rendez compte? Ce ne sont pas des coïncidences. Dieu a corrélé les choses de manière à, n'est-ce pas, exprès, pour nous enseigner les réalités spirituelles, frères et sœurs. Il y a, oh my God, hallelujah, jindalaya salalabakara, bashalalabakara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Voyez? Voilà pourquoi Dieu a dit à Noé, il est dit que Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Noé, 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 Noé a trouvé grâce. Noé, homme, l'homme, Dieu, le Dieu de grâce. Oh Lord, hallelujah. Frère, cette semaine, nous sommes là, frère. Nous sommes là. On va vous parler de long en large de Yeshua. Ah oui. Ah oui. Frère, vous savez quoi? Vous savez quoi? Paul dit dans Colossiens 2,
9. En lui, en Yeshua, habite corporellement toute la plénitude. Il n'a pas dit un peu. Il dit toute la plénitude de la divinité. Mais c'est terrible, hein? Et vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu. Paul dit dans Romains chapitre 5, Romains 9, 5, que Jésus est Dieu. Paul le dit. Frère, oh non, je bénis Dieu, sa présence est en train de nous visiter là. Oh là. Oh, alléluia. Le feu du réveil, frère. Et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Romains chapitre 9. Hein? Mes amis, oh, Dieu est magnifique. Vous allez être remplis de feu, remplis de gloire. Car moi-même, j'ai souhaité d'être par anathème séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire, et les alliances, et le don de la foi, de la loi, et le service divin, et les promesses, sont les pères, et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est, sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Waouh ! Paul dit clairement que Jésus est Dieu, béni éternellement. Hein ? Mais frère, ça c'est terrible. On l'a adoré. Les femmes dans Luc là-bas l'ont adoré. C'est écrit littéralement, on ne peut pas adorer une créature. Et les femmes l'ont adoré, frère. La parole est claire, mes amis. Les disciples l'ont adoré. Vous voyez, frère? Oh my God. Alléluia. Dieu, Dieu est magnifique. Dieu est glorieux. Oh, alléluia. Non, 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 non. Vous croyez quoi, frère? Yeshua, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Kori la baraba shakaraba karaba sakaraba shakaraba kar. Jesus. Jesus. Luc chapitre 24. Oh, merci Clance pour cette musique là. Alléluia. Luc chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, en disant : Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain, pardon. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Frères, mes amis, non. Et verset 52, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Dieu disait dans Deutéronome, dans Exode 20, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Ici, les apôtres ont adoré Jésus. Et Jésus n'a pas dit non, 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 non. Vous avez vu quand Jean s'est mis à genoux devant l'ange pour l'adorer. L'ange lui a dit, non, 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 ne m'adore pas, adore Dieu. Oh my God. Hein? Mais Jésus n'a pas dit comme l'ange là. Jésus reçoit l'adoration. Parce qu'il est Dieu, frère. Alléluia. Oh my God. On peut vraiment l'acclamer, frères et sœurs. Wow. Wow. Étienne était lapidé. Il se met à genoux. Il voit Jésus assis à la droite du Père. Mais il n'y a pas deux trônes.
Il y a un seul trône. On va le voir, on va finir par là. Et Étienne dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc, on peut prier Jésus. Et Jésus reçoit aussi nos esprits. Or, Ecclésiaste disait, quand l'homme meurt, son esprit retourne à Dieu. Donc, Dieu seul reçoit les esprits des hommes. Or, Jésus a reçu l'esprit d'Étienne. Donc, il est Dieu, frère. Oh my God. Nous sommes dans Apocalypse maintenant. Oh, ça va coincer tout le monde. Là, c'est un livre que les théologiens n'aiment pas. Oh my God. Je sais que chez vous, là, c'est chaud. Je sens ça. Je le sens. Apocalypse chapitre 5. Oh my God. Oh my God. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Attendez, maintenant écoutez ici. Vous allez voir ici, il y a quelque chose qui nous paraît bizarre. Suivez très bien. Et je vis au milieu de quoi? Non, au milieu de quoi? Et de quatre êtres, et au milieu des un homme, un agneau qui était là comme un frère. J'en vois un agneau qui était assis où? Au milieu du trône. Frère, le milieu du trône, c'est la place centrale. Qui d'autre que Dieu lui-même peut occuper cette place-là? Hein? Parce que Dieu disait qu'il ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Et on nous dit que cet agneau était au milieu du trône. Et regardez, on le décrit. Il avait sept cornes. Les sept cornes nous parlent de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Les cornes, selon Daniel 8, 20, 23, représentent les rois, les royaumes, la force, la puissance, selon Deutéronome 33, 17. Sept cornes. Les sept cornes, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, n'est-ce pas? Donc, c'est la puissance de Dieu à son comble. Et il avait sept cornes, sept yeux. Donc, c'est l'omnipotence, les sept cornes, l'omniscience, les yeux, et qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre, c'est l'omniprésence. Ça, c'est, vous voyez, c'est le chiffre de la perfection fois 3, 21. Sept cornes, sept yeux, sept esprits de Dieu qui nous parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Christ. Amen. Ben oui. Frère, on nous dit que cet agneau qui était, Loufiane, au milieu du trône, vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis où? Sur le trône. Il y a un problème. Ça, c'est pas du français. Comment quelqu'un qui est au milieu d'un trône peut aller voir quelqu'un qui est assis sur ce même trône pour lui prendre le livre qu'il a dans sa main droite? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond ici sur le plan humain? Mais c'est ça le mystère de Dieu. C'est son langage. Parce qu'il fallait trouver des mots à peu près, hein, des mots capable de, en fait, pour que nous comprenions le langage du Seigneur. C'est ça, en fait, en gros. C'est un mystère. Comment quelqu'un qui est assis au milieu d'un trône peut sortir de ce trône pour aller prendre le livre que quelqu'un qui est assis sur ce trône a dans sa main droite? Frère, honnêtement. Ok. Il prend le livre. Et quand il a pris le livre, je regardais, hein, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vierges se prosternaient devant qui? Frère.
les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés devant l'agneau. S'il n'était pas Dieu, s'il n'est pas Dieu, il n'allait pas accepter cela. Et il est resté là. Il a accepté que ce vieillard-là se mette à genoux. Ces vieillards ont des barbes blanches, des cheveux blancs. Et l'agneau était devant eux et ils étaient tous à genoux. Et les quatre êtres vivants qui représentent chacun un aspect de Yeshua. Il y en a un, ils avaient quatre faces. La face de l'homme, ça c'est l'humanité de Yeshua, on en parlera. La face de lion, le lion de la tribu de Juda, le roi. La face d'un bœuf, c'est le serviteur. La face d'un aigle, c'est le prophète. Hein? Alors, vous voulez dire quoi? Hein, mes amis? Et la Bible dit, verset 11, « Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et de vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. » Ils disaient d'une voix forte, à qui? À l'agneau qui était immolé et digne de recevoir quoi? La richesse, la chasse, la force, l'honneur. Ah! Qui est digne de recevoir la gloire? Or, oh. Qui d'autre que Dieu peut recevoir la gloire de ses créatures? La louange de ses créatures? Frère, arrêtez, s'il vous plaît. Jésus est Dieu. Hein? Ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu ordonne. Ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche. Hein? Frère. Dieu siège au milieu de Dieu. Hein? Nous viennent. Et autre chose. Dieu dans Ésaïe là-bas dit quoi? Je suis l'alpha et... Non, il dit je suis le premier et... Et Jésus a dit la même chose dans Apocalypse là-bas. Je suis le premier et le dernier. Frère, il y a tellement de choses à dire. Ce que je vous enseigne ce soir, c'est mon prochain livre en fait. La révélation de Yeshua. Le mystère de la piété. Oh, ce livre-là va encourager beaucoup de frères. Je le sais. Je le sais. Depuis les années, je suis en train de le travailler. Dieu me donne beaucoup de choses, peu à petit. Il y en a qui disaient, mais si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a prié Dieu quand il était sur terre? Là, c'est dans son aspect humain, on verra. Et vous allez voir la semaine prochaine, cette semaine, pardon, à partir de mercredi, que Dieu lui-même a prié Dieu. Dans Exode 34, vous allez voir ça. Yahvé proclama, est le Dieu véritable. Ah, frère, Dieu a parlé à Dieu. Vous allez voir ça. Non, laissez-moi louer Jésus. Laissez-moi le louer, le glorifier. C'est mon Dieu. Paul dit dans Éphésiens 4, il y a un seul Seigneur. Il y a un seul, il y a une seule espérance, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Seigneur. Jésus a été appelé Seigneur. Jésus est appelé Seigneur, frère. Et le Père est appelé Seigneur. Le Saint-Esprit est appelé Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Même le Saint-Esprit est appelé Seigneur. Mais frère, vous voulez... Oh, mes amis. Hein? C'est ça la différence entre notre Dieu à nous, chrétiens, et les autres dieux. Notre Dieu à nous est devenu homme. Pour mieux nous comprendre, pour mieux nous secourir, pour mieux nous sauver. Frère, ça c'est magnifique. C'est la preuve de son amour. Alors il ne faut pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Il dit aux enfants, aux juifs, dans Jean 8, il dit avant qu'Abraham fût. Je suis. Le je suis là, en hébreu, c'est Aya. 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 Aya, frère. Ah, mes amis. Aya et Yasha, la délivrance, ça va ensemble.
Hein? Moïse pose la question à Dieu. Quel est ton nom? Dans Exode 3. Dieu lui dit, celui qui s'appelle Je suis. Aya. Voyez? En hébreu. Alors, il faut arrêter. On a pris des pierres pour le lapider. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Là, c'est, mes amis, c'est Ehad. Shema, Israël. Adon, Elohenu, Adon, Ehad. Écoute, Israël, Deutéronome 6:4. L'Éternel, je vais vous le dire littéralement. Hein? Vous allez voir que c'est, écoute, Israël. Yahvé, Elohim, les dieux, au pluriel. Écoute, Israël. Yahvé, les dieux, est un. Un problème. Ce n'est pas du français. Ben oui, mais c'est ce qui est écrit en hébreu. Shema Israël, Adon, le Seigneur, Adon, Elohenu, Adon, Ehad. C'est un mystère. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un mystère, frère. Moi et le Père, Jean 10, 30, nous sommes Ehad. On prend des pierres, on va le lapider. Il dit, on lui dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mes amis, Jésus est le Dieu véritable. Pierre l'a dit dans Acte 4, 12. Sous le ciel, aucun autre nom nous est donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Yeshua qui nous est révélé actuellement depuis sa venue sur terre, depuis son incarnation. C'est le seul nom qui sauve. Ce n'est ni Chora, ni un prophète, ni un évangéliste. Ne suivez plus les hommes bêtement. Si un homme vous appelle pour vous dire, frère, venez prier avec moi. J'ai commencé mon ministère. Il faut lui dire, frère, cette époque-là est révolue. Nous ne suivons plus Moïse. Nous ne suivons plus Élie, Élisée. Nous avons reçu la révélation maintenant. C'est le nom de Yeshua. Et il est écrit, quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé, frère. Pasteur, c'est fini cette époque où j'étais trompé. Maintenant, je préfère suivre mon Dieu. Moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Alléluia. Frère, c'est fini, nous voyons clair maintenant. Nous ne serons plus les proies des faux ministères. Nous ne serons plus dépouillés par les bâtisseurs de royaumes humains, des bâtisseurs d'empires. Nous ne serons plus séduits par les bâtisseurs, frère, de PME. C'est fini. Oh, mon frère, ma soeur, je vois un démon, viens, je vais prier pour toi. Oh, frère, non, cette époque est révolue. Maintenant, j'ai le nom. Amen. Alléluia, j'ai le nom. Jésus dit, qui de vous me convaincra du péché? Il était catégorique. Qui de vous? C'est le Dieu véritable, frère. Le Dieu glorieux, le rocher, la lumière, le salut, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, la manne cachée, le lait par excellence, l'huile par excellence, le feu de Dieu, le marteau de Dieu. Frère, la montagne de Sion, Yeshua, Melchisedec, l'ange de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frère, le Dieu glorieux, Yeshua, il est incomparable. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, le Dieu de gloire. Il est le dernier Adam. Le dernier Adam. C'est-à-dire Dieu devenu homme pour sauver les Adamites, la descendance d'Adam. Oh, quel mystère, quelle grâce, frère. Et devant son nom, Satan est à genoux. Devant son nom, les démons sont à genoux. Devant son nom, le sida est à genoux. Devant son nom, le cancer est à genoux. Devant son nom, la compromission est à genoux. Devant son nom, la dépression est à genoux. Devant son nom, l'impunité est à genoux. Devant son nom, la prostitution, la sorcellerie est à genoux. Devant son nom, l'opposition est à genoux. Au nom de Yeshua,